Re-YouTube, eh oui, j'ai eu le courage de reprendre ma session de Metroid Prime. De toute façon, j'ai pas sauvegardé, alors je peux pas me barrer. Et on va voir maintenant où on peut aller, maintenant qu'on a la bombe morphinge. Mais c'est quoi cette... Non mais c'est celle-là. La plupart des armes, seule une bombe de... Ouais, c'est voilà, c'est les bombes de puissance, celles-là. Et je les ai pas encore, les bombes de puissance. Quoi, ils sont venus, hein? Ah, mais maintenant, je peux faire ça. Ah, ça, je peux pas faire, contre. Bon, j'ai vu qu'il y avait une... Ah là, c'est chiant. Franchement, il y a 1 mm de chaque côté. Hein. Si vous plantez d'un millimètre, c'est mort. Ok, donc on a les missiles. Et en plus, on a... un petit canal, là. Quoi, là-haut? Là-haut, c'est un Maccabé. On arrive où? Ah mais on connaît ici. Un petit canal défait. Non, non, ah non. Ah non, hein. On a dit qu'on parlait pas de ça. Hein. Alors, toi, t'es décédé de quoi? Dis-nous tout. Nya, nya, nya. Formation transférée. C'est parfait. Je voulais être différent. Oui, bah oui. Tu as... commis une légère erreur, je comprends, je comprends. Qu'est-ce que c'est? Une sonde de détection lumineuse. La sonde est active, ses transmissions sont contrôlées par de nombreuses sources. Les forces ennemies peuvent utiliser la sonde pour recueillir des informations tactiques. Donc en gros, ils vont savoir que je débarque, quoi. Ah mais non. Ah mais non. La porte bleue, j'y suis pas allé dans le truc sombre. Donc je reviens ici. Il y a une porte bleue là, hein, que j'ai pas vue. Alors, blablabla, bla bla, la traduction des, esprits, la traduction des machins là. Monorail. Ben ouais, je peux aller là. Ah non, de ce côté-là. J'ai quoi ici? Ah, c'est pour passer d'un côté et de l'autre, quoi. Ah, mais là, il y a un truc. Il y a un truc de Momorai. C'est encore une recharge de... Je déconne pas, c'est encore une recharge de... Ok.
une réserve de missiles, quoi, donc on est déjà 100, bon bah on va encore en avoir un peu plus. Ah mais c'est... Oh là, le millimètre, le millimètre. Et la milliseconde où ça pète, hein. Pas avant, pas après, hein. Voilà, on s'en fout. On s'en fout de prendre les dégâts. Ah merde, les lasers ça fait du... Ah non! Putain de merde, putain de merde. J'ai pété un plomb, j'ai pété un plomb, je vous le dis. Oh là là, mais regardez. Donc faut être bien sur la droite, mais vous pouvez pas être sur la droite, parce que si vous allez trop sur la droite, vous faites toucher par le laser. Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas du game design? Est-ce que c'est pas le meilleur game design que vous ayez jamais vu de votre vie? Regardez, ouais, hop, vous pouvez pas trop être... Non, c'est on s'amuse. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse avec ce... Oh là là. Ce petit gameplay de bombe, morphing, ouh là là. Qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Ah, franchement, on rigole bien, hein. Ils se sont dit, tiens, si on mettait quelque chose... qui pétait tout le gameplay, qui serait vraiment tellement relou que les joueurs se mangeraient les yeux, leurs propres yeux, hein. Ils mangeraient leurs propres yeux. Non, me dis pas qu'il y a des lasers. oh, c'est bien. Oh, on s'amuse. Hein. C'est... ah, faut trouver le bon moment. Il y a les lasers. Ah non, mais génial. Je kiffe. Oh putain. Ah, oh, c'est de la merde. Mais non, mais... Oh, mais oui. Bonjour. C'est de la chiasse. Et en plus, tout est décalé, quoi. Tout est coupé décalé. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Ça vous éjecte. Les lasers, ça vous éjecte. Donc une fois que vous êtes bien placé, si vous avez les lasers, plutôt que dire, bon bah, vous prenez des dégâts, c'est pas grave. C'était où? C'était... Ouais, putain, c'était à gauche. Je bouge plus, hein. Je bouge plus, hein. Là. Ah d'accord, il y a... Non mais ok, j'ai compris. Il y a un truc de... Il y a un truc araignée en dessous. Voilà. Attendez, comment je fais là? Je vais où? D'accord, ok.
Je vous jure, je suis vraiment en train de songer à manger mon propre visage là. Vraiment, hein. Là, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, manger mon visage, ça serait pas une expérience plus satisfaisante que ce jeu de merde? Vous pouvez vous planter à la fin, quoi. Si vous allez un peu trop loin, un peu trop vite. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite, et bah, vous pouvez sortir de la plateforme, quoi. Et de voir tout recommencer. C'est génial, hein, franchement. Jure, je vous jure. Je vais pas craquer. Je vous jure, je vais pas craquer. Le jeu va craquer avant moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ça, faut pas aller trop loin. Non, c'est pas là. Quoi? Comprendre. Et tout ça pour 5 missiles en plus. Hein. J'aime vraiment me faire du mal. Hein. Ils sont activés maintenant, eux. Quoi? Ah bah oui. Ok, bon, ça vient s'amuser. Destructeur de banquier, drone d'assaut rebelle. Capable de produire des ondes de choc stupéfiantes. Le bouclier d'énergie peut être brisé au moyen de rayons à la polarité. Oh. C'est un peu chier, non? Ah non, là il est en mode lumière là. Pourquoi ça marche plus? Le super bonus là. Ah oui d'accord, j'ai plus de... Okay. Eh non, ça sert à rien. Non, j'ai plus. Oh merde, un deuxième qui s'est activé. Non, mais je me casse. Ah, je peux pas me barrer? Ah, ils ont kieblo le truc! Ça date de quand ma dernière sauvegarde? Vous vous rappelez de ma dernière sauvegarde ou pas? Merde.
Ah mais son Keblo, non? Merde. Eh ben dis donc. J'ai bouffé un paquet de... composés d'alliages, dont du Willindensium. Ah. Je pourrais prendre le portail et puis aller à la porte où je suis pas allé quoi. J'ai pas un truc de sauvegarde dans le coin. Ah si, j'en ai un pas loin là. Ouais, je vais aller au truc de sauvegarde avant parce que... c'est un peu la merde quand même. Ouais, merde. Arrête, arrête le capteur. Je voulais boire un petit coup de thé là. Je peux pas boire. Le jeu il m'interdit. Désolé. Désolé pour le vomito là. Qu'est-ce que quoi? Je sais plus. Je sais plus. Je suis arrivé par là? Oui, je suis arrivé par là. Ah, je suis arrivé par là, d'accord. Paillon, flûte. Ah oui, c'était là. I do remember. Quoi? Mais pourquoi? Ah d'accord, non, il y a une vitre. Ok, bon, une bonne chose. Une sauvegarde. Et ça, c'est... une bonne assurance vie, là. Ouf. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ah, je vais pouvoir ouvrir la porte qui est de l'autre côté, non? Maintenant que j'arrive à lire les écrits luminotes là. Cette porte là normalement elle s'ouvre maintenant. C'est autorisé, bah oui, voilà. C'est quoi ici? C'est le bordel. C'est la carte? Tellement bien, je vais avoir la carte. Je vais pouvoir ne rien comprendre. Oh. Bon. Et bah c'est parti pour remonter. Se faisant bien casser la gueule.
Pourquoi il y a ce truc là? Là par contre ça je comprends pas, pourquoi il y a ce truc là? Là non ça sert à rien. Enfin ça sert à rien, ça sert sûrement à quelque chose mais Non mais... Ah bah évidemment, évidemment, il se fout devant moi. Oh ça y est ça... Non ! Ah je vous jure. Ce jeu. Ce jeu, c'est une forte douleur sans cesse renouvelée. Bon. Allez, j'y retourne. J'espère qu'il n'y a plus les gros là. J'espère qu'ils vont pas revenir. Ou alors qu'on peut les passer parce que sinon. Chiant quoi. Ah non, bah regardez, ouais. Ah, ils ont disparu. Ok, bon, c'est plutôt cool. Oh non! Alors, tac. Le. Hop, paf. Non, c'est l'inverse. Ah, merci. Ça m'a fait très plaisir que tu meurs. Origine Chozo. Retrouvez votre équipement manquant. Ça va être où? Quoi? Faut que je sorte d'ici en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire le jeu. C'est que finalement là que je m'acharne là, ça me sert à rien quoi. Allez salut mec. Hein. Bisous, ça m'a fait plaisir. Hein. Allez. pas le temps, pas le temps pour vos conneries. Où j'aille récupérer un truc manquant là. Le jeu, il est comme moi, il s'impatiente. Le jeu, il est en train de me dire pourquoi t'as pas réussi encore? Pourquoi t'es toujours en train de jouer au jeu? Tu devrais avoir terminé depuis au moins 20 heures. Les autres, là, ils me tirent dans le dos, c'est parfait. Pour repartir, c'est par là, hein? Ouais. Je dis ouais, mais je sais pas vraiment, mais on s'en fout un peu. Ah! Alors eux, la prochaine fois que je viens, ils vont sûrement s'activer. Là, nous avons des planètes. Ouais, c'est merveilleux. Tac, tac, les machins.
Pourquoi il y a des... Je sais pas. Je me pose plus la question. Ça pue le... Ça pue le traquenard, là. Mais bon, faut que j'y aille, c'est ça? Évidemment, évidemment. Oh, ça s'amuse. Mais non, je veux pas. Ah, mais non! Elle a cassé le pont! Mais quelle connasse. Comment vais-je faire? Ah, mais regardez. Il y a des trucs... boule morphing. Araignée. Le turbo. Ok. Bon bah voilà. Ok, il n'y a plus que le long. Quoi ça? Je l'avais déjà pris ça? A priori oui. Je l'avais déjà activé. Tout avait été fait ici. A priori. Allez hop. Ah. Ah merde! Putain, on se fait aggro direct quoi! La porte jaune, je peux toujours pas y aller. Voilà, faut que je retourne au temple machin là. Donc c'est la porte bleue après. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y avait tous les Maccabées là. Merci. Quoi, il y a les mecs là? Ah là, hein. Ça, oui, ça y est, je reconnais. Ça y est, je reconnais. Tellement paumé dans le jeu. Là ? Da 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 da. Alors, mais après je sais jamais où c'est par où. Faut que j'aille où? C'est au marais, hein? Non? Si? En bas là? Non, c'était pas là. J'ai pas écouté ce que le jeu il m'a dit. Le jeu il m'a dit un truc que j'ai pas écouté.
Tac. Forteresse, non? On voit plus. Là, il y a le désert. Et il y a que trois zones en plus. Il y a le désert, il y a la forteresse. Et puis il y a le marais. Pourquoi j'arrive pas à voir où c'est? Que le jeu il me disait vas-y c'est là. En bas là? Ah non mais c'est dans la... Ah, ok c'est bon j'ai compris. Ok j'ai compris pourquoi. Ayaf compris. C'est parce que c'était dans la... Ok donc c'est bien dans le marais. Sauvegarde, sauvegarde. Je sais pas combien d'heures on aura passé sur ce jeu, mais un certain nombre. GG pour la sauver. Ah ouais, non mais maintenant... on aura passé trop d'heures sur ce jeu. Des heures, des jours, des mois. Eh bah non mais tu déconnes mais je pense que là on est au-delà de 24 heures sur le jeu hein. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde sur YouTube hein. Combien il y a d'heures de VOD. Alors, et donc, là j'avance, ok. Ah ça. Vous avez vu? Hop là. Vous m'intéressez pas. Vous n'êtes pas intéressant les gars. Vous faites vos malins là. Vous ne m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas, mais vous me cassez quand même bien la gueule, mais... tellement pas RP dans le jeu n'empêche. Les ennemis qui les ennemis qui se barrent au bout de 2 secondes quoi. C'est ils cherchent un petit peu puis ils disent oh non finalement non. Ouais, je sais pas. Ça vient de qui? D'où le fait de dire vous m'intéressez pas? Je sais pas, c'est de ma... Alors, soit c'est quelque chose dont je me suis inspiré de manière de manière inconsciente, mais j'ai pas l'impression de dire quelque chose de quelqu'un en fait en disant ça quoi. C'est juste oui, non, ça me paraît logique. Les mecs m'intéressent pas, je me casse quoi. Des fois, alors des fois, alors il y a beaucoup de choses que je récupère des streamers que j'aime, hein, ça. On ne pourra pas le nier et j'assume totalement. Mais il arrive que des fois, je fasse preuve d'originalité et que je sois moi-même quand je stream. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Je suis un être à part entière. Ah ok, je pensais que c'était une référence à quelque chose parce que Red Bull le dit de la même façon. Ah ouais?
bah écoute, tu vois, bah je sais pas, peut-être que... Non mais après ça peut être un truc qu'on a entendu et que du coup... que du coup on répète sans forcément y faire gaffe quoi. Mais ou alors c'est Red Bull qui m'a tout piqué. C'est peut-être Red Bull qui m'a tout piqué. Je veux pas vendre, hein. Je veux pas te vendre mais je crois que Red Bull m'a tout piqué. Bon, let's go. Ah, c'est toujours les portes grises, là on s'en fout. Là il y a une porte jaune, je peux pas. Il va falloir casser les rotules. Toi tu casses les rotules toi. Bah oui, t'as fait Portal 2. Oui, j'ai fait Portal 2. J'ai fait Portal 2 en solo. Avant que je commence le stream. Et Portal 2, c'est le premier. C'est le tout premier truc que j'ai fait en stream. Le Portal 2 coop. Avec Everpal. C'est la toute première fois que je streamais. Et bah ça a été sur Portal 2. On s'est tapé des. Des bonnes barres de rire. D'ailleurs, ouais, bah attends, je vais te retrouver un petit clip. Un petit clip. Alors, attends. Portal. Oh, putain, la recherche. Hop. Qu'il est pas là le clip. Hein. C'est ce truc là? Vidéo non disponible, qu'est-ce qu'il a fait? Merde. Ah mais j'en trouve pas. Du coup, tu sais d'où vient le cassage de rotule? Quoi? Hein? Hein? Quoi? Non, j'ai pas la ref. J'ai peut-être oublié. Pourquoi j'ai autant de... Ok, d'accord. Je me demandais pourquoi j'avais des réponses sur... des notifications sur... sur Twitter. C'est bon, j'ai vu. Vous en foutez complètement, mais... Mais j'arrive pas à retrouver... Bah attendez... Bah non, ça doit être sur la chaîne d'Avarpal, je suis con. Bah oui, faut que j'aille voir sur la chaîne d'Avarpal. Ça doit être l'un de ses clips les plus vus. Vu que c'est souvent les clips où ils me bolossent. Qui font des vues. le top de tout. Ah merde, je m'entends. Alors, les pranks. Blabla. Même pas. Attendez, faut que je le retrouve. Il est où ce clip de l'enfer? Ah, et puis il me le balance à chaque fois en plus dans la tête. Il y a tellement de clips, il y a tellement de clips où c'est lui qui me prank. C'est assez ouf, hein. Ah, mais ça doit pas être un clip parce que ça dure 5 minutes. Ouais, non, ça dure 5 minutes. Ça doit être dans les temps forts. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Hop, je vais vous le mettre dans le chat. Tac, tac, pouette, tac. Chrisou a même un react en point de chaîne pour vas-y, pète-lui les rotules. Bam! La stratégie de l'échec dans le chat. Marrez-vous avec ça. Moquez-vous de moi. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime beaucoup. Quoi? Ah oui. Encore un méchant qui est méchant.
Ce sont des bruitages de caca. De micro. Caca de micro ? Oh non ! Oh, ça a fermé les portes. Oh, c'est chiant. Allô, c'est chiant. Évidemment. Merci. Merci de vous être barré. Ça fait bien du plaisir. Ouh. Alors, on arrive ici. On est très content. Et là, il faut qu'on descende. Pour descendre, c'est tout droit. Let's go. On descend. Du stream, mais oui effectivement, streamer au micro casque, c'était pas ouf, mais bon bah ça faisait le taf, hein. Ça faisait le taf. Mais ouais, mais en fait faut que je descende tout en bas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bon, faut que j'aille tout en bas, puis après on verra. On avisera une fois qu'on sera en bas. Mais ouais, mais on avait vraiment passé... On avait vraiment passé un bon moment sur Portal 2, on s'était bien marré. Enfin, on se marre tout le temps avec Avorpal en fait, hein. C'est le problème... Enfin, le problème. Le principe, c'est qu'à chaque fois... C'est un problème, parce que franchement, les streams sont trop, sont trop sympas. Mais le principe, c'est qu'à chaque fois, on s'en fout un peu de à quoi on joue... Et puis, mais on se marre bien, quoi. Alors, j'arrive là. Et il y a un portail dans le fond. Pourquoi j'y suis jamais allé ? D'accord, bah voilà pourquoi j'y suis jamais allé.
C'est juste pour ça. Allez, c'est parti. J'espère que c'est les bombes de puissance. Hein. Vraiment. Hein. Je souhaite vraiment que ce soit les bombes de puissance. Hein. Depuis le temps que je les veux, il y a tellement de portes qui me sont inaccessibles à cause de ça, quoi. La séquence portal, j'en peux plus. Vous la connaissiez pas? C'est quoi ça? Fonctionner avec un système de déplacement perfectionné, ce système de surface est inaccessible. Ah, je suis plus dans l'eau là. Ah, je suis pas dans l'eau. D'accord, ok. Bon. On va mourir en combien de temps? T'as osé te moquer de moi sur Mario 3D World? Non mais je faisais le con. Vous avez pas con... Non mais je déconnais. Oh, gardien de puissance. Ah ouais, ça va être la bombe de puissance. Trop bien. Comment j'y vais? Fou. Alors, gardien de puissance créature possédant les bombes de puissance. La cible peut produire et tirer à volonté des explosions de haute intensité. Seuls les dégâts cinétiques massifs affaibliront cet ennemi. Comment je grimpe? Par où je grimpe? Pourquoi je grimpe? Là, ah bah là. Par là. Parfait ça. Merde. Ça va me faire descendre. Il m'en manque un. Quoi? Ah merde. Je suis peut-être allé un peu... Peut-être allé un peu vite en besogne là. Mais pourquoi ça fait ça? D'ailleurs ça a marché? C'est quoi ce délire là? Bon allez. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Ah d'accord, faut vraiment charger en fait. Putain mais... Je te bite. C'est pas... C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais lâcher, j'ai pas lâché. Bon, j'avoue, en fait, ce combat-là devrait être un peu plus court. Merde. Mais juste, je fais le con, en fait, là. Quoi? Pourquoi ça m'a touché? Ah, ils sont vraiment intéressants les boss hein.
C'est pas ça que je voulais faire, je voulais lâcher. Eh, on y retourne. Je me suis fait toucher par un truc, je sais pas quoi. On s'amuse bien avec le jeu. Le jeu est vraiment très rigolo. Ah bah voilà, ah bah pour une fois qu'il y en a un qui meurt vite. En fait je viens de tilter que bah non j'ai 2 mois d'abonnement. Le temps passe vite, c'est flippant. Ah bah c'est ça quand on s'amuse hein. Écoute. Quand le streamer est bon. Quand le streamer est bon qu'on s'amuse, c'est normal. C'est ouf. C'est ouf. Je retourne sur l'échelle. Le 13-6. C'était il y a plus que 2 semaines. Attendez, j'ai pas... Faut que je scanne. Don't forget to scan. J'ai fait une pétition pour demander autant de passer plus lentement. Oh mais tellement bien. Les bombes de puissance, tellement bien. Tous les trucs en Willy Denzium, maintenant, je vais pouvoir les éclater, quoi. Ça c'est cool. Merde, j'ai pas. C'est appuyé sur moins quand. Ouais, c'est ça. Je crois avoir vu que c'était faut appuyer sur moins. Genre, paf, paf. Oui. J'aille où après? Faut que je monte quoi. Non mais arrêtez! Vous avez vu, vous arrivez sur la plateforme et vous vous faites défoncer direct. Vous pouvez pas être sur la plateforme quoi, c'est genre le jeu ne veut pas. Alors, oh non mais on s'en fout. L'autre portail. Ah mais comment on y va? Non il est plus haut. Non il y avait juste en dessous. Pourquoi je l'ai pas pris? Flutio. Attendez, sauf s'il y a pas une porte jaune là dans le coin. Bon, ils sont beaucoup plus hauts. Ah voilà, il y a un portail là-haut. Hop. Très bien. Ça va me faire chier, hein. Ah, on est mieux. On est mieux, on est bien. Et donc maintenant, les portes jaunes sont à moi, quoi. Yes. Yes, yes, yes. Trop cool.
Cool, je vais bientôt finir. Lol. Ok, la porte bleue. Bah, pourquoi ça marche plus? Ah, c'est 3, d'accord. C'est 3. 1. C'est à ma gauche. C'est la porte qui est là. Voilà. En bas la porte. Je crois qu'on peut pas les... Ouais, je crois que la dernière fois je m'étais fait baiser en fait. Tant que je reste dans le truc, je me fais toucher mais je peux pas les éclater. Ah si, ça marche. Voilà. Au moins on est tranquille. On est kill tran... Mais non, il y en a eu un. Putain, il est encore là. Je croyais qu'il était mouru. Énergie critique? Ah non! Ah non hein! Ah non! J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Ah mais du coup, faut que j'aille où? Oh, je flippe du coup là. Non. 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 Non, sur un ennemi pourri. Sur un ennemi pourri. Mais bah si, c'était avant le boss. Va falloir que je me retape le boss. Évidemment que si. Mais quand même, j'ai pas perdu autant de vie sur les deux monstres de merde quand même. Enfin, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour me chier autant, quoi?
J'ai du mal à comprendre comment j'ai fait pour me chier autant quand même sur le truc, hein. Mais vous voyez le temps perdu dans le jeu avec les sauvegardes de merde, là. C'est infernal. Hein. Ouais, vas-y, ouais, y a un boss, j'ai compris. Je l'ai déjà fait. Il faut que je le scanne. Okay, super, j'ai scanné. Est-ce que je peux scanner la bouboule? Non, je peux pas scanner la bouboule. Alors, on y va. Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller à celle qui faisait chier tout à l'heure. Non, touche pas, voilà. Non! Ouf. Voilà, comme ça. Là, je chante en premier. Ça va être un peu plus sympa. Non mais oh là là, on voit pas le truc. Tête d'art. C'est trop rigolo. Attention, le jeu est trop rigolo. J'aime beaucoup le jeu, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve vraiment exceptionnel. Mon nul ! Exceptionnellement nul ! C'est typiquement le genre de phase. Vous pouvez pas faire grand chose, hein, mis à part vous prendre la max quand le jeu a décidé, quoi. Mais ça, par contre, ça c'est chiant aussi, quoi. Par exemple, il y a les zones où c'est où vous pouvez faire le dash. C'est prévu que vous pouvez faire le dash. Ça passe. Mais le jeu, les zones où le jeu a décidé que non. Mais merde. Mais regardez, ça. Allez, bon, déjà c'était plus rapide que la première fois. Hein. Voilà. J'avais même pas fait gaffe tout à l'heure en fait qu'il s'était fait écraser en fait le truc. Allez, on y va. Faire du sur place, c'est juste infaisable. Ah, vas-y, tu peux le faire, c'est bien, merci. Alors selon Melzekiel, c'est l'un des meilleurs jeux du monde. Hein. Faut pas trop bouger, c'est sinon on tombe. C'est rigolo. C'est rigolo les jeux où on tombe. Allez, let's go. Ouais, super. Ouais. Bon bah, putain, boum, ça fait des boum. À l'époque, game, mais même pas, parce qu'il y a des trucs. Il y a des trucs, c'était chiant déjà à l'époque. Il y a des trucs, c'était déjà chiant. Ah oui, attendez, il faut que je fasse demi-tour, voilà, c'est ça. Voilà, et le truc il est là. J'en sais rien, j'ai pas eu la GameCube. Mais oui, mais... Ah, t'étais joueuse quand même à l'époque, non? Début 2000. Attendez, ouais.
tu faisais des études, j'avais pas le temps pour les JV. Bah oui, justement. C'est la meilleure période pour le jeu vidéo, les études, non? C'est pas là. C'est lequel? T'as raté la N64 et la GameCube. Alors c'est des consoles que j'ai pas eu non plus, hein, mais... Putain, j'étais full life, je me suis vraiment fait baiser par les machins de merde, quoi. C'est quand même incroyable. Pourquoi ils sont pas analysés en plus? Ah, par contre, il est sombre, donc si je prends le rayon de lumière. Évidemment. Ouais, c'est ça. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah, il faut que je le fasse péter, ça, non? Non? Il y a un truc de bombe derrière. Ah non 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 non, regardez ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse... Oh. 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 Eh bah dis. J'ai fait Super NES into Wii. Quoi comme étude, c'est pas indiscret. Moi j'ai fait un master, enfin j'ai fait IUT informatique, licence informatique et master informatique derrière. Réserve de missiles, encore une. Bah dis donc. Et Genius a fait bac S, fac de pharmacie, DUT analyse biologique et biochimique. Monde merveilleux du travail. Et moi j'ai fait. Alors sur les consoles, j'ai fait. Alors il y a eu le PC entre deux, mais j'ai fait NES into Wii. Hein. Attention, le gap. Hein. Vous avez fait des vrais trucs. Ah ouais. Moi, je t'avoue, même pas la SNES. Non, la SNES, j'en ai fait chez un pote. J'ai un pote qui avait la SNES, chez qui j'étais fourré tous les midis. Système de purification de l'eau, le module de filtration de cette unité a dû être remplacé depuis longtemps. Dispositif de démarrage automatique activé. Merde, bon bah tant pis, je vais le tuer du coup. Mais c'est un sombre, non? Ah non, c'est un clair lui. Hop là. Une bonne chose de faite. Coucou Number IT, comment ça va? Bac dans les bacs de ma balade en forêt. Contact, contact, bac dans les bacs. Mais ça m'emmène où ça?
La forteresse du sanctuaire. Ouais, mais j'ai pas envie. Là, tout de suite, maintenant, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de récupérer tous les trucs avec les... J'ai tellement de trucs à récupérer. Avec la boule machin. La boule araignée plus... Ça m'emmène où? Je suis quand même curieux de voir où ça m'emmène. Excellent titre, bac dans les bacs. J'ai essayé une première S et une L1 en histoire de l'art. Mais c'était foiré. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de trouver des études qui nous vont, hein. Franchement. C'est vraiment pas le truc le plus simple au monde, hein. Ah, ça m'emmène à un autre endroit, quoi. Est-ce que je redescends ou est-ce que je farme un peu, quoi? Enfin, est-ce que je continue ou est-ce que je... Enfin, est-ce que je redescends et je farme? Ou est-ce que je continue... J'ai bien envie de farmer parce que... Je suis un peu mauvais au jeu, je sais pas si vous avez vu. J'ai jamais été une flèche, scolairement ça aide pas. Ouais, non mais franchement... Les études en France, enfin ça a toujours été je pense, mais ça a pas tendance à s'améliorer. Faut tellement que tu rentres dans le moule. En fait, et si t'es en dehors du moule, hein, de ce qu'on veut te faire faire, et que tu sois quelqu'un de super productif sur une tâche en particulier, ouais effectivement les études c'est de la merde quoi, enfin... Mais ouais c'est ça en fait, j'avais commencé à dire et du coup j'ai pas terminé. Mais moi tu vois j'ai fait un master, je me suis fait chier pendant 5 ans pendant mon master quoi. C'est bon, j'ai des facilités moi d'apprentissage. Mais enfin j'avais, parce que d'ailleurs je pense que maintenant tu me fous devant un cahier, tu me fais apprendre des trucs par cœur, je pense que je vais péter un plomb et que je vais dire mais c'est quoi cette merde. Mais globalement voilà j'ai... c'est quand même assez simple pour moi d'apprendre des trucs. Mais ouais, tout mon parcours d'informatique, en fait, j'avais déjà fait le programme, quoi. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait les études juste pour avoir un diplôme, parce que sur... un peu partout, mais y compris dans l'informatique, on cherche pas à savoir tes compétences, on cherche à savoir ce que t'as comme diplôme, quoi. C'est complètement con. Enfin... Jamais pigé ça. Hein. Et ce qui fait, ouais, on donne pas la chance aux gens qui s'intéressent vraiment, quoi. Après l'apocalypse climatique, certaines compétences seront plus utiles que les longues études. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Les gens qui ont fait des études, ça ne pas si mal non plus. Ça dépend de quoi, hein. On met jamais en avant les atouts de chacun, on préfère tenter de formater tout le monde à faire pareil. Exactement. Après le but, bah, c'est d'être productif. Hein. Enfin, de toute façon, l'école, c'est vraiment une usine à... à Vorpal. Coucou, coquinou, direct, quoi. Coucou à Vorpal. Mais les études, ouais, c'est vraiment une usine à formatage. Et une usine à formater des bons petits consommateurs dans le climat capitaliste actuel, quoi. Donc c'est faut que vous soyez spécifique à une tâche et que vous soyez très très bon à cette tâche et que vous soyez productif, quoi, sur cette tâche, uniquement sur celle-là, quoi. Et est-ce que c'est vraiment apprendre ça, ou est-ce que c'est juste être un robot, quoi? Essaye de lire le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. De Karim Berouka, les punks gagnent contre le MEDEF. Rah, le mec il spoil. Bon, ça va être compliqué pour streamer ensemble la semaine pro. Je vais être bien occupé. Ok, d'accord, bah ça marche. Eh bien, pas de soucis. Du perso ou toujours du pro? Tu sais que j'ai balancé tout à l'heure le clip de Portal 2. Le fameux clip de Portal 2. Les deux capitaines. Ok, d'accord, ça marche.
Le fameux clip de Portal 2, je l'ai balancé dans le chat là. Il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Enfin, c'est pas le clip d'ailleurs, parce que vu le temps que ça dure, ce n'est pas un clip, mais c'est un temps fort. Le meilleur, bah ouais. Ouais. J'ai même pas honte. J'ai même pas honte. Bon, j'ai re-sauvegardé, donc maintenant, faut que je remonte. J'en rigole encore, ça fait un an et demi. Hein. J'ai tellement ri que j'en ai pleuré autant qu'y avoir pas. Ah, mais ça... Ce clip légendaire, quoi. Mais on était mort de rire aussi pendant le stream. Hein. C'est ça qui était fou. Tu te rappelles, Avorpal, c'est l'époque où on faisait des streams par passion, parce qu'on aimait ça, parce qu'on jouait, on s'amusait. Mais c'était pas pour le pognon encore à l'époque. C'était la bonne époque hein, quand même, hein, quand on faisait les trucs. Ouais, c'était le bon temps, ouais, bah... Maintenant, bon... pognon avant tout, quoi. Attendez, il y a des portes, là. Là, il y a des portes jaunes. Ah mais ouais, du coup, vu que je suis pas remonté par là, j'ai pas éclaté les portes. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Attendez, mais il y en a combien, là? Attendez, il y a une porte. Oh là là, mais... La perspective sur la carte, elle est... Celle de Doom est quand même mieux. Hein. Connaissez-vous Twitch Prime? C'est vrai que, n'oubliez pas, si vous avez un petit Prime, là, n'hésitez pas à le claquer. Hein. Ça fera extrêmement plaisir au streamer. Et il vous en sera reconnaissant... 5 bonnes minutes. Franchement. Je peux directement aller à Econ. Je vais à Econ direct quoi. Petit Prime Gaming là. N'hésitez pas hein. Sinon, ils servent à rien. Hein. C'est de l'argent de perdu. Hein. C'est de l'argent de perdu si vous n'utilisez pas votre Prime Gaming. Hein. Ça serait dommage. Chaque Prime Gaming qui n'est pas utilisé, c'est du pognon donné à Jeff Bezos pour qu'il parte dans l'espace. Hein. Alors, bon, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Que je mange? Ou que Jeff Bezos aille dans l'espace. Ah. Ah, il y a un truc là-haut. Comment on y va? Il y a un portail là-haut, mais je sais pas comment on y va. On s'en fout. Allez, je vais à gauche. Je vais à gauche. J'ai pas d'Amazon Prime, uniquement Metroid Prime. Oh. Si Jeff fait un aller simple dans l'espace, j'avoue c'est tentant. Ah oui, alors ça par contre. En fait, faudrait qu'il ait assez de pognon pour y aller, mais pas assez pour revenir. Voyez-vous? Un petit vent solaire. Pousse, pousse, petit vent. C'est là? C'est là? Bah oui, c'est là.
mais comment je remonte après? Ah non, c'est juste une caverne, d'accord. Il n'y a pas d'accès entre les deux. Okay, non, je... Le soleil, prout. Vent solaire, bah oui. Comment je fais? Je peux pas passer? Je fasse le tour? Oh! Chiant le tour. Bon, ça va. Bon, je pensais que c'était plus chiant que ça. Ça me rappelle un moment dans Dragon Ball GT. Son Goku envoie son ennemi qui s'enfuit dans sa navette spatiale vers le soleil. Un Kamehameha géant. J'aimerais faire pareil avec Jeff Bezos et Elon Musk. C'est tout. Que deux? Que deux personnes? Tu t'assagis quand même. Hein. Ah là, il y a deux connards là. Oh, regardez ça! Regardez maintenant, c'est génial! Pourquoi y'a ça si ça sert à rien? Attendez, parce que bon, il m'énerve là. Et de 1. T'es où? T'es où le deuxième? Vas-y Philippe, reviens! Chaud, tu te caches! Voilà. Syndical, tout ça, ouais, non. J'entends. Quoi? Ah oui, d'accord, ça c'est les recharges de... machin. Faut que j'aille où? Faut que j'aille à gauche. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait le truc qui me balance là. Et je... Si, j'ai compris. Ça y est, ça a mis du temps, mais j'ai compris. C'est un truc araignée. Vous voyez? Ça y est, ça y est. Ah, ça a mis du temps à monter, hein. Et je vais avoir combien de... Combien de réserves de... Parce que là je suis à 120 quoi. 120 missiles quoi, c'est... un moment, on s'arrête ou pas? Non, c'est pas vrai, j'ai pas bourré. Vous mentez. On s'en fout, on s'en fout. Ah, il est encore là. Oh, il a pris cher, hein. Oh, il a pris cher, il a pas aimé, hein. Samus Aran, une machine à génocider les planètes, hein, mais carrément. Hein. Encore ? Eh, dis donc. Eh bah, dis donc, ça en fait des missiles, hein.
En même temps. Pour exterminer toute la faune et la flore, il faut ça. Hein. Faut au moins ça. Donc ça, c'est fait. Je vais juste me faire une petite pause, 2 secondes, hop, je vais me faire un petit pipi et je reviens. Ah, tout de suite. Heureux. Heureux, heureux, petit pas tapon. Hop, bon alors, on est où? Donc là, je peux ressortir d'ici. On n'avait pas une porte jaune quelque part là? Si, regardez, il y a une petite porte jaune là. Puis là-bas au fond, il y a une porte verte, mais il me semble qu'il y a, fallait. Là, il y a porte verte aussi, mais on s'en fout un peu, je pense. Porte grise dans le fond. Là, du coup, on s'en fout complètement. Et donc ouais, la porte verte tout au fond, il me semble qu'il fallait justement la bombe araignée, enfin la boule araignée, il me semble. Si je me rappelle bien. C'était un coup de la boule araignée. Mais déjà, on va voir pour. Oh, en plus, faut que j'aille. Oh, bah, très bien. Faut que j'aille en face. Faut que j'aille en face. Ça va être easy. Passer par-dessus le mur? On peut pas passer par-dessus le mur, c'est rigolo ça. On peut pas passer par-dessus là non plus. D'accord. C'est moins rigolo. Mais les speedrunners, ils arrivent à passer à travers tous les murs. Voilà, j'essaye juste un tout petit mur de rien du tout. Je veux pas, quoi. C'est pas juste. C'est beau, hein. Hop, et c'est là au fond. Que voilà, il y a la porte jaune. Quoi? Oh non, j'ai plus de bombes! Falloir que je bute des ennemis, quoi. Attendez. Petite recharge, là, non? Non, tu veux pas? Saleté de jeu. Saleté de jeu! Ah là, je peux revenir maintenant. Pourtant, pourquoi on entend des clink-clong là? Ah oui, c'est le truc qui redescend, c'est vrai. Bon, bah on va aller au truc vert, non? C'est ouf. Et là, je passe par la sauvegarde en plus, c'est parfait. Allez. Enfin, j'entends le lecteur CD de la console qui est gling 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 gling. Qui a donf là. Hein. Ok. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Parce que je suis pas con au point d'oublier de sauvegarder. Hein.
Ah non, non, non. Jamais ça ne m'arriverait d'oublier de sauvegarder dans le jeu. Et d'être obligé de recommencer une heure de gameplay. À cause d'une telle bêtise. C'est un peu dégueu ça quand même. Hein. Ok, c'est ici. Ah! Merde. Il m'a pécho le petit con. Bah! Mais viens! Voilà, viens de faire casser la gueule un peu. Ah cool. Une recharge. Merde, il y en a un autre. Il m'a loupé. Pourquoi le Metroid c'est pas le personnage principal dans la série Metroid? Pourquoi Zelda c'est pas le personnage principal dans la série Zelda? Ah, tu vois? En plus dans Metroid 2. Dans Metroid 2, il y a vraiment zéro Metroid. Hein. Ils sont vraiment là. Juste parce que c'est la licence, quoi. Mais franchement. T'as genre zéro Metroid, quoi. T'as l'histoire, quoi. Enfin, mais. Enfin, il y a Samus, mais sinon. Les Metroid. C'est vraiment anecdotique sur Metroid 2. Hein. Enfin, Metroid Prime 2, du coup. Alors, j'arrive là. Ensuite. Faudrait que j'arrive à monter là. Pour arriver ici. Ah, c'est ça, ouais. Et comment j'arrive à grimper? Ah bah là. Tout simplement. Okay. Ah merde, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite. Pourquoi les... Bah pour la plupart des gens croient que Zelda c'est le nom du perso principal. Ah oui, enfin la plupart. Je pense que c'est de moins en moins. Hein, c'est devenu maintenant... c'est devant... Oh, putain. Ouais, vas-y, prends ton temps. Je suis en train de perdre du temps à vouloir aller vite quoi. Je pense que voilà, c'est de plus en plus connu que le personnage principal c'est Link et que Zelda c'est... C'est la princesse. Non? Ok. Il faut que j'aille jusqu'au bout, je pense pas. Hein. Ouais, là, y a rien. J'étais Keblo. J'étais Keblo. Ok. Donc, faut que je sois là. Paf. Et là. Yes, yes, yes. Hein? C'est super missile ici? Oh, je sais plus. Ah, c'est ça.
Et encore une réserve de missiles. Bon, on est très content. Du coup, on va maintenant qu'on a récupéré. Maintenant qu'on a récupéré un machin là. Une bombe de puissance. On va pouvoir l'utiliser. Et pourquoi dans la série Mario, c'est le nom Mario alors que le personnage principal c'est Luigi? Oh. Ah! Ah ça, vous avez pas de réponse, hein? Moi, je pense que j'ai joué à Metroid Prime 2. Alors j'aurais pu faire du Mario Galaxy. Et être tout content, m'éclater. Dire voilà, oh que le jeu est génial. Et à la place, j'ai fait du Metroid Prime 2. Et je me suis énervé. Tout ça pour pouvoir le finir. Et faire Metroid Prime 3. Et me dire, regardez, il est mieux. Il y a une vitre, il y a une vitre. À chaque fois, je me fais baiser. Hein. À chaque fois, je fonce dans la vitre. Hein. Ah, il y a un... Regardez. Là. Il y a un truc à côté. Hein. Bon, là, il y a une... Ok. Et là, vous voyez? Ah bah oui! Un peu caché, là. Super. Super, allez, Keblo. Ouais, c'est bon. Comment je sors d'ici? Ah non, par là, d'accord, ok. Putain. Ah, je pigeais pas quoi. Le jeu m'a récupéré. Hein. Ah bah dis donc. Merci. Ah dis donc, une réserve de missiles. Hein. Alors ça, ça je l'ai pas vu venir. Hein. Y a combien de réserves de missiles dans le jeu, honnêtement? C'est incroyable, quoi. Allez, je retourne dans mon petit truc, là. Et maintenant, je vais pouvoir aller péter la porte au bout. Non, fallait que je reste en... Nice. Système d'ascenseur. Merveilleux. Hop. Ça m'emmène où? Ça m'emmène où le jeu? Forteresse ou sanctuaire, hein. Na-na-na-na-na-na-na-na. Ça va m'emmener dans quelle zone? De la forteresse.
Ah bah d'accord, bah... Un endroit où je suis allé, quoi. Attendez, du coup, je peux activer ça. Voilà, toi t'es mort. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est? Système. Gna. Ah, et maintenant ça, je peux le péter. Oh, c'est ça? Voilà. C'est du Willidensium, donc. Donc, cassé. Yes. Malin. Par contre, ouais, le sauvegarde là-bas. On va aller à la sauvegarde. Ah là là, il y a une porte jaune en haut. Porte jaune en haut qui m'emmène où? Ah non, pas porte jaune en haut. Si. Porte jaune en haut qui m'emmène dans sur une grosse structure là. Bon, d'abord la sauvegarde. Il y a les gros méchants qui vont se réveiller. Non? Non? Ils sont tous morts? Non, il en restait plus qu'un. Il en restait plus que lui. Ok, tac. Et bah voilà! C'est pas grand chose. Pourquoi il recule? Pourquoi il recule comme ça? Ok. Là, on passe par là.
Là, on va aller chercher le point de sauvegarde qui est en bas. Bon, je suis quand même curieux. Faudrait que je m'arrête, mais je suis un peu curieux en fait de la grosse salle là. Qu'est-ce que ça donne? Merde, est-ce que je suis en train de... Est-ce que je serais en train de bien aimer le jeu? Nah, pas déconner non plus, non. Et là j'ai quand même... Je suis curieux quand même. J'ai envie de voir. Non, pas eux! Mais non, mais... Cette salle, elle est horrible, hein. Voilà, super. Samus est buggé. Sinon, mais toi, tu veux fermer ta gueule un peu? Merci. Merci. Ça, tu le sens pas venir, ça. Hein. Ah, il y a des portos partout. Ouais, c'est pour arriver là et tout. Ouais, non, ça a l'air d'être loin, là. Ah, c'est le truc des marais. Ah, ok. Allez, hop. Ouais, on va s'arrêter là. Par contre, je quitterai bien le jeu. Juste pour voir combien j'ai de pourcentage. Merde, comment on fait? Comment on quitte? Comment je peux quitter en forçant? Je peux pas quitter... Si, quitter? Non. On peut pas quitter en forçant le jeu? Que ça c'est les machins, mais il y a, c'est qu'en allant au point de sauvegarde qu'on peut quitter. C'est quoi ça? Je suis où? En débranchant la console. Effectivement, ça peut être une solution. Non mais arrête, tais-toi. Non mais je vais aller... Non mais c'est quoi, tu veux... si tu veux revenir au menu principal du jeu... Genre là, tu vois, j'ai envie de commencer Metroid Prime 3. Comment je fais? Eh ben non, je peux pas. C'est assez ouf. Y a pas d'option pour quitter... Enfin, pour revenir au menu dans le jeu. Ou alors, il y a des combinaisons que j'ai pas compris sur la... Ah ouais? En fait, faut... menu, oui. Bisous, YouTube. À la prochaine, du coup. Vous ne verrez pas le pourcentage accompli aujourd'hui. Bye.